Parfois, la vie nous réserve des événements inattendus et extraordinaires qui, s'ils n'étaient pas capturés en temps réel, ne seraient jamais crus. Des images époustouflantes d'un arbre dont le tronc est traversé par de l'eau à l'éruption d'un volcan de boue au milieu de nulle part, en passant par l'embrasement d'un océan, le monde regorge de moments qui défient la logique. Dans ce voyage, à travers l'objectif de l'étonnement, nous explorons les images captivantes de ces événements extraordinaires. Sans plus attendre, voici 11 moments époustouflants dont vous ne croiriez pas qu'ils se soient jamais produits, s'ils n'avaient pas été capturés par une caméra. Birmingham, Alabama. Dans notre premier moment époustouflant, l'incroyable s'est produit lorsqu'un groupe de coupeurs d'arbres a capturé un arbre semblant défier la nature en faisant jaillir continuellement de grandes quantités d'eau, transformant le paysage environnant en un pays des merveilles aquatiques. Birmingham, la troisième ville la plus peuplée de l'Alabama, est connue pour sa culture dynamique et son charme sudiste. Elle compte près de 197 000 habitants. Mais il n'y a pas que les gens qui rendent cet endroit si remarquable. Parfois, ce sont les arbres eux-mêmes qui volent la vedette. Le 5 décembre 2021, un groupe de coupeurs d'arbres est arrivé pour abattre un gommier mourant dans un quartier de la ville. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient assister à un phénomène tout à fait étonnant. Selon le caméraman Mike, une cavité au sommet de l'arbre l'avait fait pourrir de l'intérieur, créant une situation unique. Lorsque l'équipe a commencé à couper l'arbre, un phénomène stupéfiant s'est produit. De l'eau a jailli du tronc, ressemblant à une chute d'eau en cascade. Au fur et à mesure que nous regardons les images, l'eau s'écoule de plus en plus de l'arbre. Plus l'équipe coupe l'arbre, plus l'eau jaillit du tronc, mouillant le paysage environnant. Le spectacle était à la fois fascinant et déroutant. Les gommiers doux, originaires des régions chaudes d'Amérique du Nord, n'étant pas connus pour leur système hydraulique, on se demande ce qui peut bien être à l'origine de ce spectacle extraordinaire. Une explication possible est que l'eau a rempli les trous dans le tronc à mesure que l'arbre pourrissait de l'intérieur. Lorsque l'équipe a pratiqué la première incision, c'est comme si elle avait ouvert un barrage, libérant un torrent d'eau. Une autre possibilité est que l'arbre ait souffert de la maladie du bois mouillé, une maladie bactérienne qui affecte les arbres. Le bois mouillé peut provoquer une accumulation d'eau dans le tronc, entraînant un écoulement inattendu de l'eau. Quelle qu'en soit la cause, le spectacle de l'eau jaillissant d'un tronc d'arbre est rare et remarquable. En effet, des moments comme celui-ci témoignent de la résilience et de la complexité de la nature, nous rappelant les processus complexes et souvent mystérieux qui se déroulent dans le monde naturel. Alors que l'équipe poursuivait son travail, elle n'a pu s'empêcher d'être émerveillée par le spectacle inattendu offert par ce gommier mourant. Volcan de boue, Malaisie. Dans la réserve naturelle de Tabin, à Sabah, en Malaisie, un endroit qui regorge d'espèces sauvages et de merveilles naturelles, un événement spectaculaire a été filmé. Au cœur de la réserve se trouve un joyau caché, un volcan de boue de la taille d'un terrain de football qui attire diverses espèces de faune et de flore. Le 18 septembre 2022, un groupe de guides et de touristes s'apprêtait à observer les oiseaux sur le volcan lorsqu'ils ont été témoins d'un événement soudain et inattendu. Une forte détonation retentit dans l'air et des bulles commencent à jaillir du sol, signalant l'éruption du volcan de boue. Alors que les observateurs se trouvaient à l'abri dans la tour d'observation, la boue a rapidement envahi la zone, la transformant en un spectacle envoûtant. L'éruption a rappelé la puissance brute et l'imprévisibilité de la nature. Le phénomène fascinant mettant en évidence les processus géologiques uniques qui se déroulent sous la surface de la Terre. Cependant, cette éruption n'a pas présenté de réel danger et personne n'a été blessé. La boue était saine et pas du tout chaude. Bien que les volcans de boue puissent entrer en éruption de manière violente, ils sont généralement inoffensifs. La boue qui entre en éruption est généralement froide, voire légèrement plus chaude que la température ambiante du sol. Par conséquent, rester coincé dans la boue ne vous brûlerait pas et ne vous blesserait pas, mais cela pourrait vous gâcher la journée. Un volcan de boue est une forme de terrain créée par l'éruption de boue, d'eau et de gaz. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable volcan igné, puisqu'il ne produit pas de lave, sa formation est déclenchée par plusieurs processus géologiques, souvent associés à des zones de subduction tectonique et à des gisements de pétrole. La boue se forme lorsque de l'eau chaude, chauffée en profondeur sous la surface de la Terre, se mélange à des dépôts minéraux souterrains. Ce mélange est ensuite poussé vers le haut à travers une faille géologique ou une fissure en raison de déséquilibres locaux de la pression souterraine.
Les matériaux éjectés sont généralement une boue de solide fin en suspension dans l'eau, qui peut contenir un mélange de sel, d'acide et de divers hydrocarbures. La réserve naturelle de Tabin est un havre de paix pour la faune et la flore, et le volcan de boue joue un rôle important dans l'écosystème. La boue est pleine de minéraux délicieux, qui attirent diverses espèces animales dans la région, servant de lèche minérale savoureuse, fournissant de la nourriture et créant un environnement prospère pour la flore et la faune. Ce moment époustouflant nous rappelle les merveilles que recèle le sous-sol. L'éruption du volcan de boue dans la réserve naturelle de Tabin met en évidence les forces incroyables à l'œuvre dans notre monde naturel. Elle nous rappelle l'équilibre délicat qui existe entre l'homme et l'environnement. Glace enflammée, Alaska. Partez en voyage à Soldotna, une petite ville de la péninsule de Kenai en Alaska. Connue pour ses paysages naturels époustouflants, Soldotna compte environ 4300 habitants. Mais il n'y a pas que les paysages à couper le souffle qui retiennent l'attention. Le 10 février 2015, deux personnes sont tombées sur un spectacle extraordinaire. Une bulle géante de méthane piégée sous la glace d'un lac gelé de la petite ville. Intrigués par ce phénomène inhabituel, les deux individus, armés d'une pioche et d'un briquet, décident de réaliser un véritable tour de force tout en filmant l'instant. Ils ont d'abord allumé le briquet près de l'une des formations de gaz avant de frapper la glace avec leur hache. En frappant la glace, le méthane emprisonné s'est enflammé au contact du feu, créant un fascinant spectacle de flammes dansant sur la surface gelée. Le spectacle d'un lac gelé en feu a suscité l'étonnement et la perplexité. Ce phénomène est dû au dégel du pergélisol, qui se produit sous l'effet de la hausse des températures et entraîne la fonte du sol gelé sous la surface de l'Alaska et d'autres régions arctiques. Le dégel du pergélisol libère le méthane emprisonné dans le sol. Lorsque la glace fond, des blocs de glace géants s'effondrent, créant des dolines qui se remplissent d'eau. Les bactéries envahissent ces dolines, décomposent la matière organique et libèrent des gaz méthane inflammables. On peut voir les bulles de méthane surgir de l'eau lorsque la glace fond. Lorsqu'elle s'enflamme, elle crée un spectacle surréaliste qui captive ceux qui ont la chance d'en être les témoins. Cependant, il est important de noter que si les flammes sont fascinantes, la situation peut être dangereuse et ne doit être tentée qu'avec prudence. Il convient de mentionner que le dégel du pergélisol, dû à la hausse des températures, ne libère pas seulement du méthane, mais pose également des problèmes importants pour l'environnement et les communautés locales. Le dégel du pergélisol a déjà des conséquences graves qui menacent les habitations, les infrastructures et les moyens de subsistance de millions de personnes. La fonte du pergélisol peut rendre le sol instable, entraînant des affaissements de terrain, des dolines et des érosions de falaises, augmentant ainsi le risque de glissement de terrain et d'inondations. En outre, elle accélère le changement climatique en libérant davantage de gaz à effet de serre, ce qui aggrave encore le réchauffement de la planète. Elle pourrait également entraîner la libération d'anciens virus et bactéries dormant dans les sols gelés, ce qui poserait des risques sanitaires inconnus pour les humains et les animaux. Il va sans dire que si l'incendie d'un lac gelé est un spectacle captivant, il met également en évidence la nécessité urgente de lutter contre les effets du changement climatique et de trouver des solutions durables pour la stabilité de la région arctique et l'avenir de notre planète. Tempête de grêle, Chine. Avez-vous déjà été témoin d'une tempête de grêle? L'année dernière, à Guiyang, en Chine, une tempête de grêle transportant certains des plus gros grêlons jamais enregistrés s'est produite dans la ville. Guiyang, la capitale de la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, bien connue pour sa riche histoire et son centre économique animé, n'est pas étrangère aux conditions météorologiques extrêmes. Ici, la pluie peut avoir des effets dévastateurs en raison des tempêtes de grêle constantes qui se sont produites presque chaque année au cours de la dernière décennie. Mais un jour fatidique de 2023, la ville a connu une tempête de grêle sans précédent. Le 16 mars, le ciel s'est ouvert et des grêlons ont commencé à tomber d'en haut dans ce que l'on appelle aujourd'hui la pire tempête de grêle de l'histoire. Ce qui a rendu cet orage de grêle vraiment remarquable, c'est la taille des grêlons. Selon un habitant de la région, ils étaient aussi gros que des balles de ping-pong et s'empilaient par endroits sur une hauteur de 8 pouces. En tombant du ciel, les grêlons ont créé une scène de chaos et d'émerveillement. Les images capturées par les habitants sont vraiment étonnantes. Des arbres et des branches ont été endommagés et des centaines de voitures ont subi de plein fouet l'impact de la tempête. Les habitants de Guiyang ont été frappés de stupeur et d'incrédulité. Les tempêtes de grêle,
qui se forment lorsque les gouttes de pluie transportées par les courants ascendants des orages atteignent des zones extrêmement froides de l'atmosphère et gèlent, ne sont pas rares dans certaines régions. Toutefois, la taille et l'intensité de cette tempête étaient extraordinaires. À titre de comparaison, le plus gros grêlon jamais enregistré aux États-Unis est tombé à Vivian, dans le Dakota du Sud, mesurant 8 pouces de long et 18,2 pouces de diamètre, soit environ la taille d'une boule de bowling de 10 quilles. Si la tempête de grêle a causé des dégâts et des perturbations, elle témoigne aussi de la résilience des habitants de Guiyang. Ces personnes se sont rassemblées face à l'adversité, se sont soutenues les unes les autres et ont trouvé des moyens de reconstruire et de surmonter la catastrophe. L'orage de grêle de 2023 à Guiyang n'est pas le premier du genre dans la ville et la province de Guizhou. En avril 2017, un orage de grêle féroce, accompagné de fortes pluies, s'est abattu sur la ville, provoquant des scènes de chaos. En 2020, également, de nombreux rapports faisant état d'une autre tempête de grêle dévastant le Guizhou ont fait le buzz sur plusieurs espaces médiatiques. Il ne fait aucun doute que l'orage de grêle de 2023 à Guiyang ne sera jamais oublié de sitôt. Alors que les grêlons ont fondu et que la ville s'est remise des conséquences de la tempête, le souvenir de ce moment époustouflant demeure. Glace brisée, Massachusetts. Notre prochain moment époustouflant nous emmène à North Adams, une petite ville située dans le nord-ouest du Massachusetts. Située à quelques kilomètres seulement des frontières de l'État de New York et du Vermont, North Adams est connue pour ses paysages pittoresques et ses merveilles naturelles. La majeure partie de la ville est construite le long de la rivière Hoosick, qui s'écoule sur 76 miles depuis le réservoir de Cheshire, dans le Massachusetts, jusqu'à la rivière Hudson, à Stillwater, dans l'État de New York. Par une journée apparemment ordinaire du 13 janvier 2018, un habitant nommé Eric, en quête d'aventure, a décidé de descendre avec son appareil photo jusqu'à la rivière. Comme tous les aventuriers, Eric voulait simplement capturer de beaux moments. Il était loin de se douter que son appareil photo était sur le point de capturer un spectacle vraiment hypnotique. Par une chaude journée de janvier, la rivière gelée a dégelé et s'est rompue, ouvrant la voie à une incroyable démonstration de la puissance féroce de la nature. Au moment où Eric commence à enregistrer, son excitation devient palpable. Il s'émerveille de la force et de la rapidité avec lesquelles des plaques de glace géantes se brisent et s'écrasent sur une courte chute d'eau. La glace de surface reste intacte, tandis que de plus petits morceaux flottent en dessous, créant un contraste saisissant. Il est fascinant de voir comment les éléments de mère nature interagissent. Bien qu'apparemment solide, la couche de glace ne fait pas le poids face à la force puissante de la chute d'eau qui se profile à l'horizon. La collision de la glace et de l'eau crée une symphonie de bruits d'écrasement et un spectacle visuel à couper le souffle. Pour ceux qui l'ignorent, le dégel se produit lorsque la glace se transforme en eau. Il se produit lorsque la température s'élève au-dessus du point de congélation, autour de 0 degré Celsius ou 32 degrés Fahrenheit, ce qui permet aux molécules de glace d'acquérir de l'énergie et de se déplacer plus rapidement. Ce mouvement accru brise la structure rigide de la glace, entraînant un changement de phase du solide au liquide. Les facteurs qui accélèrent ce phénomène sont les températures ambiantes plus élevées, la lumière directe du soleil et le contact avec des substances plus chaudes. Si ces moments sont naturellement essentiels à la vie sur Terre et peuvent être impressionnants, ils comportent aussi leur part de danger. Les embâcles, causés lorsque la glace s'accumule et bloque le débit de la rivière, peuvent entraîner le débordement de l'eau et l'inondation des zones environnantes. Les embâcles se produisent généralement au printemps, mais le temps chaud du milieu de l'hiver peut également les déclencher. Heureusement, l'eau a permis d'éviter tout danger potentiel. En effet, les images d'Eric nous rappellent la puissance et la beauté brute de la nature et la façon dont elle peut à la fois nous captiver et nous surprendre. Islande flottante, Wisconsin. Imaginez une île mystique. Non, pas celle que l'on voit dans les films, avec les fées, où la magie prospère, mais une île flottante. Vous avez bien entendu. Embarquez pour un voyage au lac Chippewa, dans le Wisconsin, où un groupe de plaisanciers locaux déterminés a été filmé en train d'accomplir une tâche vraiment extraordinaire. Avec le vent dans le dos et un esprit uni, ces individus exceptionnels s'unissent pour pousser une île flottante loin du continent et un pont reliant les côtés et ouest du Flowage. À première vue, cette île flottante peut sembler être une masse terrestre typique au milieu du lac. Cependant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'une tourbière, une zone humide constituée d'un sol mou et spongieux, composé de matières végétales décomposées appelées tourbes. Mais ce qui rend cette tourbière vraiment unique,
c'est sa taille gigantesque et son écosystème florissant. En mai 2022, des équipes de tournage ont décidé de documenter la corvée annuelle de nettoyage de la communauté. Regardez ces bateaux travailler ensemble en manœuvrant stratégiquement pour éloigner la tourbière du pont. C'est une danse délicate qui exige précision et travail d'équipe. Selon les plaisanciers, la clé du succès consiste à placer la tourbière au bon endroit. S'ils ne la positionnent pas correctement, elle flottera de nouveau vers le pont en quelques jours. Ce jour-là, de 9h à midi environ, ils ont donc consacré leur temps et leurs efforts à faire en sorte que la tourbière soit déplacée à une distance sûre. Cette tâche annuelle peut sembler ardue, mais les plaisanciers comprennent l'importance de préserver l'écosystème délicat de la tourbière. Les tourbières de ce type jouent un rôle crucial dans l'environnement, car elles stockent d'énormes quantités de carbone par le biais d'un processus appelé séquestration du carbone. En fait, les tourbières du monde entier séquestrent environ 200 milliards de tonnes de CO2, ce qui les rend inestimables dans la lutte contre le changement climatique. La détermination et le dévouement des plaisanciers, qui déplacent la tourbière plusieurs fois par an, témoignent de leur engagement en faveur de la préservation de l'environnement. Plutôt que de détruire la tourbière, ils choisissent de travailler avec la nature, assurant ainsi sa pérennité et les avantages qu'elle procure. Cet incroyable exploit nous rappelle le pouvoir de la communauté et l'impact que peut avoir une action collective. Les plaisanciers du lac Chippewa démontrent qu'en travaillant ensemble, nous pouvons protéger et préserver les merveilles naturelles qui nous entourent. Tempête insensée, Chine. À Jinan, ville chinoise connue pour sa riche histoire et son centre économique animé, un événement extraordinaire s'est produit le 30 juin 2021. La mégalopole de la province de Shandong, dans le sud de la Chine, a connu un phénomène météorologique sans précédent. Une puissante tempête accompagnée de vents records. Le jour de l'incident, la vitesse du vent a atteint le chiffre stupéfiant de 89 miles par heure dans plusieurs zones de la ville, battant ainsi le record local des vents les plus rapides jamais enregistrés. La ville a été engloutie dans une tempête, les débris volant dans les airs et les arbres se balançant dangereusement, comme si la nature elle-même avait déchaîné sa colère sur les habitants qui ne se doutaient de rien. Des images prises dans toute la ville ont montré la force de la tempête. Les vents étaient si puissants qu'ils ont comparé la tempête à un ouragan de catégorie 1. Bien que la tempête ait causé des dégâts et des perturbations considérables, il est important de noter qu'aucun blessé grave n'a été signalé sur le terrain. Comme les habitants de Guiyang, les habitants de Jinan ont fait preuve de résilience et de force face à l'adversité, en se rassemblant pour se soutenir mutuellement et reconstruire. L'intensité de la tempête et les vents records qui l'ont accompagnée nous rappellent brutalement la nécessité de se préparer et de résister aux phénomènes météorologiques extrêmes. Il convient de noter que cette tempête pourrait être les restes du typhon Champi, un typhon de catégorie 1 qui s'est affaibli, mais qui a conservé une énergie considérable. L'arrivée de la tempête à Jinan a mis en évidence l'interconnexion des systèmes météorologiques et les effets considérables qu'ils peuvent avoir. Au lendemain de la tempête, la ville de Jinan est devenue un témoignage de la résilience humaine et du pouvoir de la communauté. Malgré l'ampleur des dégâts, les efforts de redressement de la ville ont été rapides et efficaces. Les autorités locales et les bénévoles ont travaillé sans relâche pour rétablir la normalité, en déblayant les débris, en réparant les infrastructures endommagées et en apportant de l'aide aux personnes touchées. L'événement a également suscité des discussions sur le changement climatique et son impact sur les schémas météorologiques, ce qui a conduit à une sensibilisation accrue et à des mesures proactives dans la région. La tempête de Jinan, bien que destructrice, a finalement servi de catalyseur au changement, entraînant des progrès dans la préparation aux catastrophes et les stratégies de résilience climatique. Cet incident souligne l'importance de la recherche et des investissements continus dans les technologies de prévision météorologique et la résilience des infrastructures afin de mieux se préparer à de tels événements météorologiques extrêmes à l'avenir. Apparition mystérieuse. Les caméras de tableau de bord font partie des dernières innovations en matière de sécurité personnelle. De nombreux conducteurs les installent dans leurs voitures pour recueillir des preuves en cas d'accident inattendu. Mais parfois, ces caméras capturent quelque chose de bien plus étrange. Dans un incident filmé par une caméra de tableau de bord, on voit un conducteur se diriger sur une autoroute moyennement fréquentée. Alors que la voiture aborde un virage, une camionnette arrive en sens inverse. À ce moment-là, un événement imprévisible se produit. Un homme apparaît soudain sur la route, juste à côté du véhicule. L'homme semble tomber sur la route depuis un endroit inconnu, comme si un portail s'était ouvert et l'avait déposé sur la route.
Les portes du véhicule ne se sont jamais ouvertes. Il est donc évident qu'il n'est pas tombé de la camionnette. Même si la caméra n'a pas vu l'ouverture d'une portière à cause d'un problème dans la vidéo, l'homme apparaît juste à côté du pneu avant. Il est beaucoup trop en avant pour être tombé du véhicule. L'autre possibilité est qu'il soit tombé par la fenêtre, mais la chute a été beaucoup trop soudaine. Une personne tombant de la fenêtre d'une voiture en marche provoquerait beaucoup plus d'agitation. Sans connaître l'identité de l'homme qui s'est apparemment téléporté sur l'autoroute, il est impossible d'expliquer son apparence mystérieuse. Vient-il d'une autre dimension ou possède-t-il des pouvoirs surnaturels? Ou est-il simplement tombé de la voiture? Difficile à dire. De toute évidence, la vidéo a laissé les téléspectateurs perplexes. Certains sceptiques affirment qu'il pourrait s'agir d'un canular habilement mis en scène, utilisant des effets spéciaux ou des techniques de montage. Cependant, un examen plus approfondi ne révèle aucun signe apparent de manipulation. Les images semblent donc authentiques, ce qui soulève encore plus de questions sur la nature de cet événement mystérieux. La téléportation est un sujet populaire dans le folklore et la mythologie depuis des siècles. L'idée a longtemps fait l'objet de spéculations. Les histoires de personnes disparaissant d'un endroit pour réapparaître dans un autre ont captivé notre imagination. Mais y aurait-il une part de vérité dans ces histoires? La téléportation serait-elle un phénomène réel qui échappe à toute explication scientifique? Les scientifiques et les chercheurs sont depuis longtemps fascinés par ce concept. Bien qu'il relève pour l'instant du domaine de la science-fiction, des avancées significatives en physique quantique laissent entrevoir la possibilité d'une téléportation au niveau subatomique. L'idée de transférer instantanément de la matière d'un endroit à un autre reste purement théorique. Alors que la science-fiction explore souvent ce concept, cette séquence filmée par une dashcam semble avoir capturé un cas réel de téléportation, ce qui soulève des questions intrigantes sur les limites de notre compréhension. La mystérieuse vidéo de téléportation continue de susciter des débats et des spéculations parmi les téléspectateurs. Certains y voient la preuve concrète d'un phénomène surnaturel, tandis que d'autres restent sceptiques, à la recherche d'une explication rationnelle. Quelle que soit la position de chacun, on ne peut nier l'étonnement et la fascination que suscite cette vidéo. Robot géant, zone 51. L'exploration de lieux aléatoires à l'aide de Google Maps est devenue une activité populaire pour ceux qui cherchent à remédier à l'ennui en ligne. Selon UFO Sightings Daily, cette activité apparemment inoffensive pourrait avoir des conséquences. En effet, elle a permis de découvrir des choses étranges et inexpliquées. De nombreux YouTubeurs ont découvert des choses étranges en explorant virtuellement le monde, notamment cette découverte effrayante de la zone 51. La zone 51 est bien connue des amateurs de paranormal du monde entier. Située dans une région désolée du Nevada, ce site gouvernemental top secret est largement considéré comme le centre de recherche clandestine sur l'existence d'extraterrestres. Lorsque le YouTuber Scott C. Waring a décidé d'utiliser Google Maps pour explorer la zone 51 en espérant que l'imagerie satellite révélerait quelque chose d'intéressant, il a répondu à ses attentes. En comparant les figures aux bâtiments voisins, il a estimé que les robots mesuraient environ 15 mètres de haut, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles ils pourraient être d'origine extraterrestre. C'est assez incroyable, vous en conviendrez. La découverte de ces prétendus robots géants a déclenché une frénésie de spéculations et de débats. S'agit-il vraiment d'êtres extraterrestres ou simplement d'un produit de la pareidolie, notre tendance à voir des formes familières dans des objets inanimés? Les sceptiques affirment que les figures ne sont que des ombres ou des illusions d'optique. Cependant, le YouTuber a affirmé que les silhouettes ombragées se déplaçaient. Par conséquent, les mouvements et les proportions de ces prétendus robots semblent défier les caractéristiques de simples ombres. Au fil des ans, la zone 51 est restée entourée de secrets, alimentant les théories du complot et les spéculations sur sa véritable raison d'être. La présence de ces robots géants ajoute une nouvelle couche d'intrigue à l'énigme qui entoure cette installation ultra secrète. Pourraient-ils faire partie d'une technologie avancée développée au sein de l'installation? Ou bien sont-ils la preuve d'une intervention extraterrestre dans les affaires humaines? Si certains considèrent ces découvertes comme de simples coïncidences ou des canulars, d'autres estiment qu'elles apportent des preuves irréfutables de l'existence d'une vie extraterrestre. La possibilité que des êtres évolués visitent notre planète et collaborent avec des scientifiques humains est un concept qui nous fascine et nous terrifie à la fois. Entre-temps, les mystères de la zone 51 continuent de captiver l'imagination des gens du monde entier, et ces prétendus robots géants ne font qu'ajouter à l'intrigue. Il est important de noter que Google Maps est devenu un trésor de découvertes mystérieuses au-delà de la zone 51. Des personnes du monde entier
ont rencontré des phénomènes étranges et inexpliqués en explorant virtuellement le globe. Qu'il s'agisse de structures non identifiées dans des endroits reculés ou de formations bizarres qui défient les explications conventionnelles, Google Maps est devenu une plateforme permettant aux aventuriers en fauteuil de découvrir l'inconnu. Alors, la prochaine fois que vous vous ennuierez et que vous aurez besoin d'une aventure, embarquez pour un voyage à travers les paysages énigmatiques de Google Maps. Qui sait quel mystère vous pourriez découvrir ? Observation d'OVNI, Washington DC. Dans une séquence de vidéos énigmatiques partagée par le YouTuber AIM, plusieurs personnes de la région de Washington DC semblent avoir fait l'expérience d'une rencontre avec des phénomènes extraterrestres le 19 décembre 2018. La première vidéo présente des séquences provenant de trois sources distinctes à travers Washington DC, capturant des vues du ciel du soir. Alors que le ciel reste largement dégagé, une zone située directement au-dessus du Pentagone se distingue. Dans les trois cas, on peut observer un objet particulier en forme de triangle traversant l'espace aérien. L'apparition de cet objet volant non identifié, ou OVNI, au-dessus de l'un des bâtiments les plus emblématiques et les plus surveillés au monde, a immédiatement suscité de vives spéculations et des discussions, laissant beaucoup de gens s'interroger sur son origine. D'autres, en revanche, ont cherché à connaître la raison d'être de l'engin alors qu'il planait au-dessus du Pentagone. Les images montrant l'OVNI ont étonné le public. Sa forme triangulaire et ses étranges manœuvres aériennes défiaient les idées reçues et remettaient en question notre compréhension des progrès de l'aviation. Elles ont également suscité des interrogations sur l'existence potentielle de civilisations extraterrestres sophistiquées. Comme pour confirmer la véracité de cette apparence mystique, une seconde vidéo nous emmène dans une réunion à huis clos des Nations Unies, où une caméra cachée filme Alia Prokofieva, PDG de Galactica, en train de parler de ces images. Galactica est une entreprise pionnière qui se consacre à l'établissement de villes habitables dans l'espace extra-atmosphérique, afin de permettre à l'homme de vivre au-delà des limites de l'atmosphère terrestre. S'adressant à l'ONU, Madame Prokofieva a déclaré que le premier contact avec une vie extraterrestre avait eu lieu le 19 décembre 2018. Elle a déclaré que l'engin planait à environ 500 mètres au-dessus du sol et qu'il tournait en vol. La NASA aurait reçu des données du vaisseau spatial, dont elle a constaté qu'elles provenaient d'une source non identifiée. Monsieur Prokofieva a également indiqué que le laboratoire CHIM, en Colombie-Britannique, a intercepté des signaux identiques et collabore avec la NASA pour en déterminer l'origine. La révélation de ce prétendu premier contact avec une vie extraterrestre a provoqué une onde de choc dans le monde entier. L'idée que nous ayons pu établir une communication avec des êtres d'un autre monde est à la fois excitante et inquiétante. Cependant, à la suite de la publication de la vidéo, certains analystes, après l'avoir examinée, ont mis en doute son authenticité. En comparant cette autre vidéo, ils ont constaté qu'il s'agissait d'une fausse séquence et que la vidéo originale provenait d'un discours prononcé le 25 septembre 2018 par le président turc Recep Tayyip Erdogan devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Malgré le scepticisme qui entoure la vidéo de l'ONU, la séquence originale d'OVNI du Pentagone reste inexpliquée. L'engin triangulaire capturé dans le ciel continue de déconcerter les experts et les passionnés. S'agit-il d'un avion militaire avancé, d'un projet gouvernemental secret ou d'un véhicule extraterrestre? Même si nous ne connaîtrons peut-être jamais toute la vérité sur cet événement énigmatique, il attise notre curiosité et alimente notre quête permanente de réponses. L'océan en feu. On dit que le feu ne peut pas résister à la présence de l'eau. Mais avez-vous déjà pensé à un feu brûlant non seulement sur un plan d'eau quelconque, mais aussi sur un océan? C'est bien cela! Au début du mois de juillet 2021, un plan large de l'océan a capturé quelque chose d'étonnant. Un grand cercle de feu, brûlant férocement, dominait la surface du golfe du Mexique. Comme le montrent les images, les flammes dansent et vacillent, créant un spectacle à la fois hypnotique et terrifiant. Le spectacle est si inhabituel qu'on le croirait sorti d'une superproduction hollywoodienne. Vous ne frémiriez pas si vous tombiez sur une rivière ou un lac en proie à un tel brasier, sans parler de l'océan lui-même? L'intensité de l'incendie est vraiment stupéfiante, encore accentuée par la taille même de la zone en feu. Le cercle de feu s'étend sur une grande partie de la surface de l'océan, créant une scène à la fois captivante et terrifiante. C'est comme si un portail vers une autre dimension s'était ouvert, le feu agissant comme une passerelle vers un monde de chaos et de destruction. Sur les images, plusieurs bateaux de pompiers équipés de puissants canons à eau se sont précipités sur les lieux, déterminés à mettre fin à ce spectacle surréaliste et dangereux.
Cependant, alors que les bateaux de pompiers déversent des torrents d'eau sur les flammes, leurs efforts semblent futiles et presque ironiques. Le feu, entouré d'eau, continue de brûler avec défi. Bien que l'eau des bateaux-pompes se mêle aux flammes, elle ne suffit pas à éteindre le feu. Selon certaines informations, le gigantesque incendie est dû à une fuite de gaz provenant d'un pipeline sous-marin appartenant à la compagnie pétrolière publique Petroleos Mexicanos, ou Pemex, une société qui a un long passé d'accidents industriels majeurs dans ses installations. Le spectacle des flammes jaillissant au milieu de l'eau a fait sensation sur les réseaux sociaux. Ce spectacle ardent ressemble étrangement à de la lave en fusion, ce qui lui a valu le surnom « d'œil de feu ». Selon les rapports, il a fallu plus de 5 heures pour éteindre complètement les flammes, qui se sont déclarées vers 5h15, heure locale, et se sont éteintes à 10h30. Bien que la compagnie pétrolière ait indiqué que personne n'a été blessé au cours de l'incident, il est important de tenir compte de l'impact potentiel sur la vie marine. L'incendie à la surface de l'océan n'est pas seulement un spectacle visuel, c'est une catastrophe aux conséquences considérables. La chaleur intense et les fumées toxiques dégagées pendant l'incendie auraient sans aucun doute eu un impact dévastateur sur l'écosystème délicat qui se trouve sous la surface. Cette vidéo vous a plu ? Cliquez sur la carte qui s'affiche actuellement sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos intéressantes.